Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Black Ops 3. Donc dans cette vidéo, je vais unboxer des ravitaillements tout simplement. Donc que je vais ouvrir avec les crypto-keys. Donc pour ceux qui savent pas, les crypto-keys en fait c'est des types de jetons qui vont nous permettre d'acheter voilà, des ravitaillements. Et dans les ravitaillements, vous pouvez avoir plein de choses, des camouflages, des emblèmes, des mouvements spéciaux. Bref, vous allez voir. Donc, à chaque fin de partie, vous en gagnez. Donc, cette fin de semaine, ils sont x2, donc je les ai bien, voilà, j'ai bien farmé, quoi. J'ai bien farmé les crypto-keys. Donc, du coup, j'ai réussi à en avoir 160. Ce qui va nous permettre d'ouvrir. En fait, je vais vous montrer. Donc en fait, il y a les ravitaillements rares qui coûtent 30 crypto-keys et il y a les ravitaillements standards qui en coûtent 10. Donc ce que je vous propose, c'est d'ouvrir 2 ravitaillements rares et 10 ravitaillements standards. Et si on a beaucoup de chance, parce que les ravitaillements rares, ils donnent des crypto-clés bonus. Donc on peut avoir, je pense, de 5 à 20, je suis pas sûr, dans ces coins-là. Donc si on a 2 x 20, on va pouvoir ouvrir 4 autres ravitaillements standards. Donc ça pourrait être pas mal. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories. Il y a les normales, il y a les rares, il y a les légendaires et il y a les épiques, s'il me semble. Je pense pas qu'il y en ait une autre sorte. Le meilleur étant les épiques, le moins bon étant les normales. Voilà. Donc c'est parti, on va ouvrir les 2 rares. Donc les rares. Les ravitaillements rares, on est assuré d'avoir un rare dans le ravitaillement. Donc c'est parti, allez. Oh! Allez, c'est parti. J'ai un bon Allez, please. Puis suicide la CUDA. Oh! Ça commence bien. Allez, allez. Ah! Bon, on a eu une variante MR6 de balle blindée. Bon, c'est juste un petit attachement qu'on met sur l'arme. Donc, c'est pas une grosse séance. J'ai jamais joué avec cette arme. Donc, on va voir. On va voir. Ce que ça donne, mais bon, c'est pas un très gros changement. J'espère peut-être des camouflages. Allez! Yes! Encore MR6. Je pense que c'était la même que tantôt. Bon, c'est un arme que je joue pas. Donc, on voit que j'ai eu 7 clés de cryptage bonus. Donc, je peux ouvrir 11 ravitaillements standard. Donc, c'est parti. Allez, please. Allez, peut-être un rang. Allez, allez, bleu, bleu, bleu. Yes! Oh! Il est tout simplement malade. Regardez, un habillement pour. Une coiffe en fait pour un spécialiste. Donc on va aller voir ce que ça donne. Spécialiste. Donc on est sur PC pour ceux qui se demandent. Je sais. Voilà. Le Reaper. On va aller voir. Personnalisé. Donc en ce moment il est comme ça. Donc je vais aller voir le nouveau. Marché noir. Oh, il est trop stylé. Avec ouais, il est vraiment stylé, je trouve. Bon. C'est pas un très gros changement, mais c'est déjà ça de prix, hein, écoutez. On va continuer, on va continuer. Je vais peut-être ouvrir finalement si on voit voilà, que c'est pas super avec les normales. Voilà, on va ouvrir des rares. Hein. Écoutez, on va ouvrir des rares. Allez, please. Please, donne-moi quelque chose de beau. Oh, j'irai voir aussi les mouvements. Variante de balle blindée de la Weevil. Malheureusement, la Weevil, c'est pas la meilleure arme selon moi. C'est l'une des pires. Oh, par contre, le camouflage, il est super stylé. Et la Royale sur la Weevil que voilà, comme j'ai dit, j'aime pas. Mais quand même, on est revoir le camouflage après sur le MR6. Ah bah c'est ça le MR6. Bon bah c'est pas si mal en fait, parce que c'est un pistolet que j'aime bien. Voilà, on a eu de la merde cette fois-ci. Ah, sur Firebreak, donc on pourra pas tester. Et on va ouvrir, voilà, le petit dernier. Allez, please. Allez, joie sur Nomade. Bon? Bon, on n'a plus de points, dommage, on a eu que de la merde. Sérieusement, je pensais avoir mieux. Attends, on va peut-être avoir 10. 9. Oh, dommage, on peut pas en ouvrir une de plus. Mais on va aller voir quand même ce qu'on a eu. Bon, on n'a pas eu beaucoup de belles choses. Voilà, on va le changer sur ma classe principale. Donc, au MR6, on avait eu un camouflage. Dévastation, regardez-moi ça.
C'est complètement épique. Voilà, c'est épique justement. C'est un épique. Voilà, il est totalement joli. Je pense que je vais le mettre. Puis on ira faire un petit tour. Ouais, je vais tout changer mes armes que j'utilise. Je vais toutes les mettre avec le MR6 et mettre le camouflage. Parce que de toute façon, l'autre fusil, je le trouvais un peu chiant. Il n'y avait pas assez de munitions. Donc voilà, ouais, je vais tout le changer sur mes classes. Pardon, hein, si c'est un peu long. Juste que je vais essayer de faire mon plus vite possible. Pour qu'après, on puisse aller voir. Voilà, après ça, ouais, juste sur celle-là et c'est bon. MR6, hop. Camouflage, marché noir. Voilà. Ne vous en faites pas, je vais aller vous le montrer. Là, on va aller voir les tentes que j'ai eues. C'était avec qui? Pas avec lui. Avec elle, j'ai eu menacé. Donc, on va aller voir c'est quoi que ça donne. Attention. Oh, stylé! Tu fais ça. En gros, c'est des mouvements que tu fais quand tu gagnes la partie, si t'arrives dans les premiers. Donc voilà, si j'arrive dans les premiers, hop! Au calme! Je m'en suis bien débarrassé. Oh, c'est plutôt sympa, j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, on a eu un sur lui, peut-être? Oui, nickel. Lui, je joue avec, justement. Donc c'est parfait. Champion, on va voir ce que ça donne. Oh! Hit that bitch! Oh, celle-là, il est super stylé. Attendez, on le refait. Boum, boum, tu portes la ceinture, yo, yo. C'est super sympa, j'aime bien. Franchement, c'est super bien. Est-ce qu'on a eu d'autres? Il me semble que oui. Je vais débloquer lui, je pense qu'on en a. Oui, on en a eu trois. Holy shit. On va toutes les regarder. Peace. Sympa, sympa, joie. Oh damn, celle-là il est un peu fifille. Il reste sympathique et pointé finalement. Oh, celle-là j'aime bien. Celle-là j'aime bien. Par contre, celle-là je le garde. Voilà. Et est-ce qu'on en a eu d'autres? Oh, peut-être sur lui. On va aller voir. Oh yes, on en a eu un. Menacé, étouffement. On va voir ce que ça donne. Attention. Comme s'il se ferait étrangler, c'est super. J'aime bien, j'aime bien. Bon, on en a eu un sur le Firebreak, mais malheureusement, je suis niveau 44 et c'est niveau 46. Mais on va quand même aller voir ce que ça donne en partie personnalisée. C'est quoi? Ah oui, c'était le pistolet que je voulais vous montrer. Moi, je veux pas elle. Ah, on peut aller voir ici. Regardez, regardez, je pense qu'on peut ici aller voir. Oui, on peut aller voir, parfait. On va aller voir c'est quoi. Amenez-vous si vous voulez vous faire cramer. Sympathique. Celle-là, j'ai gagné joie. On l'a déjà vu, mais on peut quand même la voir. Voilà, c'est super sympathique. Et se vanter, champion. Je pense que lui aussi, on l'avait déjà. Voilà, nickel. Oh, on peut voir tout. Est-ce qu'on en a débloqué pour lui? Non. Ici, est-ce qu'on en avait débloqué? Non, malheureusement. Mais voilà, on va lancer la partie. Attendez, attendez, j'ai pas créé ma classe. Faut que je me recrée une classe. Tac tac, c'était sur lui. Mais je pense que c'était juste lui qu'on a eu un camouflage spécial. Je pense que les autres c'était des camouflages un peu normaux. Voilà, boum. On va aller voir ce que ça donne en match. Donc c'est parti. Donc si vous voulez plus de vidéos de ce style, ou que ce soit de ce style ou juste des vidéos gameplay, dites-moi là en commentaire. Moi ça me ferait plaisir de vous en faire. Donc voilà, c'est parti. On va voir ce que ça donne. On va voir le camouflage. Il me semblait bien sympathique. Ça avait l'air d'être comme de la lave avec de la cendre autour. C'était plutôt sympa. C'est lui ici. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, je vais sûrement. Oh non, je peux pas avancer, c'est vrai. J'ai pas mon logiciel. Massacrer. Merde, j'ai pas pris le bon. Damn it. On va se suicider. Hein. Allez, allez. Voilà, il fallait que je me suicide là, parce que ouais, j'avais pas pris le bon. Oh, super! Oh, c'est super, il est super! Franchement, on le voit mal comme ça, mais il y a de l'air. De côté, il y a de l'air vraiment beau. Regardez, on voit un peu. Je vais essayer de vous le montrer à l'ombre, peut-être. Peut-être qu'on le voit mieux. Vous voyez, ça bouge un peu. Je sais pas si vous pouvez voir en arrière complètement, c'est comme. Voilà! La luminosité augmente et descend. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si elle vous a plu,
N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et on se dit à plus tard les gens. Allez!